إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد شسافيت الله craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, l'imam Ahmed rapporte dans son recueil Al-Musnad, selon Abu Umamat al-Bahili, radiallahu anhu, ce dernier a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô prophète d'Allah, quel était le début de ton histoire ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je suis l'invocation de mon père Ibrahim, je suis l'annonce du Messie Isa, et ma mère a vu en songe qu'une lumière sortait d'elle, et cette même lumière était tellement forte qu'elle éclairait les palais du Shem. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc l'invocation de son père Ibrahim lorsqu'il a dit « Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également l'annonce de son frère Aïs ibn Maryam lorsqu'il a dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. » Et il fut également le songe de sa mère lorsqu'elle a vu en rêve, avant sa naissance, une lumière émanant d'elle et éclairant les palais de la province de Shem. Donc c'est Mohammed, le fils de Abdullah, qui est fils de Abd al-Muttalib, qui est fils de Hashim. Et Hashim fait partie de la tribu de Quraysh, et Quraysh font partie des Arabes, et les Arabes sont la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim. Allah a fait de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Siraj al-Muniran, une lampe éclairante. Toute la terre a été éblouie par sa venue. La nation s'est rassemblée après avoir été divisée et elle a été guidée après avoir été égarée. Chers croyants, après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont entrés en foule dans la religion d'Allah. Les musulmans ont créé leur état. Les musulmans ont vécu au siècle prophétique une vie sans précédent. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, était sincère et sans association. Il y avait la justice, l'équité, l'amour et la fraternité entre les musulmans, force et fierté, puissance devant leur ennemi. Et à cette époque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le prophète d'un véritable amour, pas un amour prétendu et menteur. Et les exemples à cela, en lisant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie des compagnons, sont très très nombreux. Zayd ibn Dathinna, radiallahu anhu, avait été fait prisonnier dans les premiers siècles de l'islam, dans les premières années de l'islam. Il fut prisonnier, puis fortement torturé. Et les polythéistes sont venus à lui et lui ont dit « Ô Zayd, n'aurais-tu pas aimé que Mohammed soit à ta place, c'est-à-dire prisonnier et torturé ?» Zayd répondit « Wallah, je ne veux même pas que Mohammed, à l'endroit où il se trouve, soit égratigné par une épine alors que je suis tranquille chez moi. » En entendant cela, Abu Sufyan, radiallahu anhu, qui était à l'époque associateur, dit « Je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un comme aiment les compagnons de Mohammed, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puis Zayd fut assassiné. » Chers frères et sœurs, donc voilà comment était l'amour des compagnons pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont traduit cet amour en le suivant et en lui obéissant, en suivant sa sunna et en mettant en application ses ordres et en délaissant ses interdits. Puis le temps a passé après le siècle des compagnons
et l'amour du prophète a diminué dans les cœurs de la communauté. Et la communauté musulmane s'est éloignée du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect et l'admiration pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont alors diminué. Et à ce moment-là, l'amour du prophète s'est retrouvé falsifié. Donc voilà comment les compagnons aimaient le prophète et comment les gens après ont aimé le prophète. Donc ils ont falsifié l'amour pour le prophète lorsque certains musulmans, ignorants, ont essayé de remédier à ce manque d'admiration. Et pour remédier à cela, au lieu de les ramener au livre d'Allah, au lieu de les ramener à la sunna, ils ont innové des fêtes et des commémorations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela a eu lieu à une époque où le rôle des savants a été diminué et ces derniers ont été mis à l'écart. Car comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 4 de Rabi al-Awwal. Et dans 8 jours, nous serons donc le 12 de Rabi al-Awwal et c'est le jour pendant lequel certains musulmans célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous allons essayer de voir ensemble, pendant ce discours, le statut de cela, le statut de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun musulman ne doit douter sur le fait que c'est une innovation religieuse. Et de ce fait, cela est strictement interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent au début de ses discours, faites attention aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer, rapporté par Abu Daoud. Donc toute innovation est interdite. Et cette innovation, elle a été innovée au 4e siècle de l'islam. Au 4e siècle de l'islam, par les Ubaydiyines qui avaient la main prise sur l'Égypte. Les Ubaydiyines, les chiites qui gouvernaient l'Égypte à l'époque. Al-Mu'izz, Al-Ubaydi, donc le dirigeant de l'époque, il avait décidé de célébrer 6 anniversaires. Celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de Ali ibn Abi Talib, celui de Fatima binti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, celui de Al-Hassan, celui de Al-Hussein et l'anniversaire du dirigeant en place. Donc ceci au 4e siècle de l'islam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les compagnons, après les tabi'in, après l'a'imma, l'arba'a. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ubaydiyin, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il nous dit, en parlant d'eux, dans son livre Manhaj al-Sunnati al-Nabawiyya, il dit leur royaume sur l'Égypte a pris fin en 568 de l'Égypte. Et ils ont régné sur l'Égypte plus de 2 siècles et leur histoire est célèbre auprès des savants par l'athéisme, l'opposition à Allah et à son messager, l'apostasie et l'hypocrisie. Donc chers musulmans, sachez que les historiens et les savants de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam divergent sur le mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Certains ont dit qu'il est né pendant le mois de Ramadan, mais la grande majorité des savants disent qu'il est né pendant Rabi al-Awwal, le mois pendant lequel nous sommes. Puis ces mêmes derniers qui ont dit qu'il est né pendant Rabi al-Awwal, ils ont divergé sur le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit le 2, comme Ibn Abd al-Barr, d'autres ont dit le 8, comme Ibn Hazm, d'autres ont dit le 9, le 10, le 12, le 17, le 18. Donc cette divergence prouve que les compagnons n'ont porté aucune importance au fait de nous rapporter la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons n'ont pas posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa date de naissance, ce qui prouve que le fait de connaître sa date de naissance n'avait que très peu d'importance pour eux. Et s'il y avait quelconque fête ce jour-là, cela aurait été connu sans divergence. Et cela nous aurait été rapporté précisément comme c'est le cas pour les deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Tout le monde sait que Eid al-Fitr, c'est le premier jour de Shawwal. Eid al-Adha, c'est le 10e jour de Dhul-Hijja. Sans divergence. Donc celui qui célèbre soi-disant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est même pas sûr de célébrer cela la bonne date. À titre d'exemple, il y a des gens, peut-être même dans cette mosquée, qui n'ont même pas de date de naissance précise. Il y a des gens qui ils savent dans quelle année ils sont nés, mais la date précise, ils ne savent pas.
Ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés en France, on leur a dit tu le 1er janvier, qu'ils n'avaient pas de date de naissance. Et donc, que penser du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant plus de 14 siècles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que la révélation ne vienne sur lui, ce n'est qu'un enfant parmi les enfants à la Mecque. Comme on ne sait pas les dates de naissance des autres, pourquoi connaîtrions la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam précisément? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Chers serviteurs d'Allah, quant à la date de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont quasi unanimes sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé le lundi 12 Rabi al-Awwal de l'année 11 de l'Hégire. C'est pour cela qu'il faut dire aux gens qui soi-disant célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette célébration le 12 Rabi al-Awwal est un manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam et une rudesse envers lui. Car les gens sont heureux en prétendant fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc cela est un manque de respect envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la nation musulmane n'a pas été éprouvée par une pire catastrophe que le décès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sabit al-Jumahi radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous est éprouvé par une épreuve, qu'il se rappelle son épreuve par ma mort, car c'est la pire des épreuves pour lui, rapportée par al-Tabarani. Que tu es la personne que j'aime le plus que tout, à part ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non, Omar, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il est indispensable que tu m'aimes plus que ta propre personne. C'est alors que Omar lui dit: par Allah, tu es certes, ô messager d'Allah, la personne que j'aime plus que ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Omar, maintenant oui. C'est-à-dire tu es véritablement croyant, rapporté par Al-Bukhari. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, voilà ce qu'il aime le plus, parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, des gens qui viendront après moi et qui désireront me voir, quand bien même ils sacrifieraient pour cela leur famille et leurs biens, rapporté par l'imam Muslim. Chers frères et sœurs, certains vont dire, nous entendons beaucoup de personnes dire qu'il y a plusieurs sortes d'innovations, des bonnes et des mauvaises. Et le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en est une bonne. La réponse à cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait très souvent, comme on a cité précédemment, toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et toute innovation mène à l'enfer, rapporté par Abu Daoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toutes, sans exception. Donc si toute innovation est un égarement, comment peut-on dire ensuite qu'il y a des bonnes innovations dans l'islam et des mauvaises? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui innove en religion, son acte sera nul, rejeté et non accepté par Allah. Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté, rapporté par Al-Bukhari. Donc, comment peut-on se permettre de dire qu'il y est permis d'innover en islam? Et celui qui innove en islam, cela signifie qu'il prétend que la religion était incomplète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que lui vienne pour la compléter. Allah nous dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et cela veut également dire que cette personne accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux choses, ou bien de une parmi deux choses. Soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait le bon aspect de cette innovation et qu'il ne connaissait pas cela. Ou bien, la deuxième chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait cette bonne innovation, mais qu'il l'a cachée et a été fraudeur avec sa nation et ne leur a pas transmis le message. Donc les deux choses sont rejetées, comme vous le savez. C'est pour cela que Ibn al-Majishoun nous dit: j'ai entendu l'imam Malik, rahimahullah, dire: celui qui introduit une innovation dans l'islam et qu'il la voit bonne, alors c'est qu'il croit que Mohammed a trahi le message. Car Allah nous dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion.
Donc, ce qui ne faisait pas partie de la religion au temps du prophète ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الاخوان والاخوات الذين يسهمون لاجل هذا المسجد باموالهم ودعواتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في مثال حسناتهم يوم القيامة اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.